Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 242 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Sneak. Sneak, voilà, SNIK. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu indépendant, il me semble aussi. On est toujours dans pas mal de jeux indépendants, c'est un petit jeu. Alors j'ai pu rapidement voir à peu près à quoi ça consistait. Je vais vous laisser le découvrir par vous-même. C'est plutôt du puzzle, de l'action, on va dire, c'est du réflexe. Voilà, il faut être à peu près doué et un peu de la stratégie aussi parce que du coup il faut anticiper des choses. Et vous allez voir, c'est vraiment un petit jeu de. Alors je sais pas ce qu'on a dans les options. Voilà, mais voilà, la musique et effacer les datas. Autoplay, crédit. Donc on va play. On va faire le niveau 1. Comme je vous ai dit, voilà, ça se divise en niveaux. C'est tout bête. On démarre le premier. Je suis la boule noire. Il faut pas que je touche les boules rouges. Les boules rouges. Et là, mon but à moi, c'est de récupérer les boules jaunes, sans toucher ni les rouges. Et en gros, je me déplace en cliquant en une fois. Et donc là, il y a des objectifs, regardez. Donc là, j'ai eu une étoile parce que j'ai mis 16 secondes au lieu de 12 et j'ai fait 13 mouvements au lieu de 8. Alors, on va essayer de le faire en 8 mouvements. On va essayer de le faire en 8 mouvements. Non. Vous voyez? Il faut que j'arrive à anticiper pour passer au moment où il n'y aura pas la boule. C'est pas si facile en fait. Alors je sais pas du tout si c'est ça qu'il fallait faire, la meilleure des méthodes. Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ah, donc c'est mort, je suis pas arrivé du tout. Alors on va essayer juste de continuer pour voir à peu près les différents niveaux de difficulté. Mais c'est un jeu qui en fait est quand même pas si facile que ça, parce qu'au moindre, à la moindre erreur, vous perdez. Et donc je vais sûrement être une grosse quiche sur ce jeu. Parce que faut faire très attention au mouvement des. Est-ce que vous avez vu ce bordel quoi? On est au niveau 2 quoi. Je sais pas si c'est un jeu qui a été fait pour être infaisable. En tout cas, il est pas mal, je trouve. Ta mère. Alors on va essayer de faire les faciles. Mais enfin. Il y a un moment donné, il va falloir se mouiller. Hein. Ah putain. Comment vous voulez que j'aille? En fait, faut étudier le mouvement, quoi. Il faut se dire comment il fait pour bouger. Parce que là, au moment où j'attraperai le dernier, ça, je gagnerai le niveau. Et en fait, on n'a pas envie d'y aller. Non! Et en fait, vous savez pas comment vous y prendre en fait. Oh! Ta mère! Ta mère! Voilà. Exactement, c'est ce genre de jeu, on est au niveau 2 et on pète déjà un câble. Alors comment voulez-vous faire ça en 15 mouvements, hein? Je vous explique, les mecs ils s'attendent à ce que vous fassiez ça en 15. Hein. Non, je fais pas du tout de mouvement, je suis pas du tout à 35 mouvements. Hein. Je suis pas du tout à 72 mouvements. Alors là, j'ai intérêt à le choper. Oh putain. Oh putain. Ouh! Allez, niveau suivant. Alors, où c'est que je suis? Ouh, je l'ai
je l'ai eu. Lui, je l'ai eu aussi. Alors ça, c'est easy money, hein. Voilà. Voilà. Hop. Pour l'instant, c'est easy money. Par contre, comment je fais pour passer de l'autre côté? Ah d'accord, il fallait appuyer sur l'interrupteur, tout simplement. Ça a l'air presque trop facile, il y a un piège, non? Ah non, j'y suis arrivé. Wacon. Wacon. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Est-ce que vous imaginez que les mecs, ils nous demandent de faire ça en 19 coups, hein? Hop là. Ah non! Ah ta mère! Ok, donc c'est lui qui est difficile à faire. J'ai vraiment du mal à... à anticiper le mouvement. Voilà. On va essayer de récupérer lui. Non. On va essayer de récupérer lui, j'ai dit. Ah, ta mère! Ah, ça tourne! Oh, putain de ta mère. Je fais 3 milliards de mouvements, je m'en bats les couilles, je suis pas là pour faire un score! Comment vous voulez avoir 3 étoiles, quoi, sans déconner? Ah, regardez-moi l'autre là-haut. Suffit de se mettre là, non? 1, 2... Il viendra pas. Il est là-bas, le fils de fils. Je le toucherai pas. Je suis déjà à 65 mouvements sur 19, hein. Voilà, faut juste s'en souvenir, hein, que c'est juste un jeu de psychopathe. Il n'y a pas intérêt à ce que je me plante maintenant. Ouh, 81 mouvements sur 19 et 75 secondes pour 25. Ah, t'as... Ok. Il y en a qui ont pas envie que je gagne. Ouh, ça fait ramer. Ouh, ça fait ramer. Crysis fait pas ramer mon ordi, et ça fait ramer mon ordi, graphiquement. Oh putain. Enfin, quand je dis Crysis Rome. Dernier Crysis. Hein. Les gros jeux, un Battlefield 4, ça fait pas ramer, mais ça me fait ramer. Ok. Non mais ouais, pourquoi pas. J'accepte. Ouais, c'est une garde, en fait. Est-ce que je continue ce test-là? Si je finis ce niveau, je suis un PGM. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? What the fuck? Est-ce que, il y a des gens, je trouve, ils sont sadiques, hein. Attends, on va essayer de faire celui-là, hein, parce que c'est lui qui a l'air impossible à faire, hein, en ce moment. C'est nerveux, hein. Je vais devenir fou, non? En fait, je crois que j'ai plus envie. Hein? Bon. Et ben on va s'arrêter là. Voilà, la vidéo a été courte. Voilà, on a à peu près présenté le jeu. Hein? Voilà, il y a 24 niveaux, j'en suis au 5ème. C'est juste pas possible. Voilà, c'est juste un truc de putain de psychopathe. C'est un truc, voilà, si vous avez envie de, voilà, de vous suicider, si vous voulez
avoir des boutons partout, vous donner une raison pour avoir un arrêt maladie, plein de choses comme ça. Il y a moyen, voilà, c'est possible. Avec la carte Kiwi peut-être, avec ce jeu, c'est possible aussi, voilà. Donc voilà, c'est même pas, je continue, voilà. Ah, voilà, je suis retourné, on y retourne, parce que c'est pas très joli quand même comme ça. On va quand même finir sur une note de musique. Ça fait deux fois quand même, hein. Deux fois en pas longtemps que je quitte le jeu sans faire exprès. Bon, du coup, c'est pas très très grave, hein. C'est pas comme si j'avais un dossier du FBI sur mon ordi, mais bon, je préfère qu'on voit le jeu, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, vous avez compris, hein. Voilà, c'était juste le autoplay, mais bon, on avait compris comment ça fonctionnait, il suffisait de cliquer dedans, hein, pour comprendre ce qu'il fallait faire. Donc, ce jeu-là, je vous le conseille si vous aimez ce genre de jeu. Comme, de toute façon, c'est le conseil le plus bateau qu'on puisse faire. Voilà, c'est un jeu... C'est des réflexes un peu stratégiques quand même. Faut réfléchir aux actions, faut bien étudier les mouvements des trucs. C'est pas le genre de jeu que je kiffe, hein, voilà. Vite fait, ou alors les premiers niveaux. Hein. Tout de suite, dès que ça devient compliqué, allez vous faire un, hein. Bon, voilà. Cela dit, il est très joli. La musique est sympa, je pense qu'au bout d'un moment, elle peut rendre zinzin aussi. Voilà, bref. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas du tout combien de temps ça fait que j'ai enregistré cela, mais elle sera un peu plus courte, j'imagine, que celle que les autres. J'ai vraiment pas de marqueur, il faut vraiment que je me mette un chronomètre. Parce que je trouve que c'est important aussi de pas vous faire des formats qui sont trop longs. Parce que sinon, une demi-heure, bon, vous avez vite lâché l'affaire, hein, au bout d'un moment, vous avez compris. Des jeux comme on a fait l'épisode d'avant, 241 avec Barbarian, là. On peut comprendre qu'il soit long parce que ça évolue là, ce genre de jeu. Voilà, on a fait le tour, quoi, on a compris vite fait ce que c'était. Bon, mais je vous laisse sur ça. Si vous avez aimé, aimez. Si vous n'avez pas aimé, aimez pas. Mettez-le moi en commentaire, dites-moi tout. Et puis abonnez-vous si vous aimez pour suivre les prochaines vidéos qui arrivent très vite. Tchou!